Johnny Hallyday, vous passez ce soir dans un club privé genevois. Ça nous est l'occasion de faire peut-être un petit tour d'horizon. Quelle est la cuvée 1969, Johnny Hallyday? Comment la caractérise-t-on? Oh ben, elle a pas mal commencé. D'abord, j'avais arrêté pendant 6 mois à cause d'un accident. Et puis j'ai recommencé, là, il y a une dizaine de jours, dans une tournée qui m'amène donc à Genève, dans d'autres villes de France, Toulouse, Dijon, enfin. Et ensuite, je vais... Une tournée qui se termine le 8, qui va m'amener à Rome ensuite, pour une télévision, et puis pour signer un contrat de film. Est-ce que le style de Johnny Hallyday a changé? Oui, un peu, oui. J'ai changé de formule un peu, j'ai changé aussi de musicien. J'ai abandonné un petit peu ce côté cuivre, enfin ce côté trompette derrière, et puis pour ajouter, pour renforcer un peu le son de guitare. Et au lieu de chanter plutôt que 80% de chansons commerciales, j'en chante beaucoup moins. Je fais plutôt des styles de chansons blues, enfin. Est-ce que les amis de Johnny Hallyday ont changé? Bah, vous savez, les amis, ils viennent, ils s'en vont. Il y en a qui restent. C'est mouvant. C'est un métier. Non, c'est un métier. On fait un métier très de vagabond, en fin de compte. Je veux dire, et je considère que les amis qui me fréquentent sont également des vagabonds. Ça fait qu'ils restent tant qu'ils ont envie de rester. Quand ils en ont marre, ils s'en vont. Et puis, il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont, ça change. Ou ils reviennent plus tard. Enfin. Si vous aviez un message ou une déclaration à faire à vos fans de Genève, qu'est-ce que vous leur diriez? J'aimerais leur dire que je suis très heureux d'être à Genève. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé à Genève. Ça fait bien 4 ans maintenant. Si ce soir on cassait des chaises, qu'est-ce que vous diriez? Je serais le premier surpris, ça m'étonnerait qu'ici on casse des chaises.